Exas, ici Zelk et je suis en compagnie de la puissante, de la magnifique, de la douce Elena, Dixit Gecko. Hey, bonjour. Et salut ma biche. Bonjour, j'ai une toque de loup tout à fait, aucun rapport entre une toque et un loup, mais tout va bien. Comment ça va? Bah écoute, moi ça va bien, ça fait plus ou moins 2 minutes qu'on a quitté la vidéo, oh my god, que ça fait longtemps que je suis rentré. Ça fait longtemps que ça va, exactement. Les enfants ça va, la famille ça va. Mets-moi tep, les chiens ça va, les chevaux ça va. Bon allez, prends ta récompense à Oyun. Le petit chat ça va. Oyun, bien sûr, en fait voilà, donc on se retrouve devant Oyun pour rendre la première quête que nous avons fait dans la vidéo juste avant. Donc nous cliquons sur les rewards, et là nous tombons sur des golems, des summoners. Oui, chers amis. Ah, c'est pour ça que donc, tu n'as même pas mis dans la vidéo golems. Là. Les différents golems, au fait, en gros, c'est plus ou moins le système de mercenaires de Diablo 2. En gros, ce sont des petites créatures qui vont vous accompagner, qui vont vous accorder des petits buffs à votre personnage. Donc là, il a le choix entre 3 golems. Il y a le Chaos Golem qui va augmenter la défense, et qui sera en grosso modo un putain de tank, qui va aller essayer de tanker à votre place et prendre l'aggro, tout ça, tout ça. Il y a le Ice Golem qui va augmenter votre chance de toucher, vos chances de coup critique et vous donner un peu de vie à chaque attaque. Moi, je vais prendre ça, et le Fire Golem, ouais. Et le Fire Golem qui va lui servir d'artillerie lourde, bien planqué derrière, qui aura peu de PV mais qui va augmenter vos dégâts. Donc pour toi, c'est le Ice Golem qui est j'ai bien. J'ai pris le Ice Golem, il a l'air plutôt fat. D'ailleurs, on prend la quête à Lady Diala. Alright. Et nous devons find maintenant le. Devant les mines. Nous devons find le Rapture Device, hein, tout à fait. C'est parti. Nous devons find le Rapture Device. Find de Rapture Device. Voilà. Alors, les golems que j'ai ouverts par inadvertance pendant l'inter-vidéo. Les golems, j'ai ouvert les mines. Les mines. Mec, ouvre les golems. Les mines. Donc n'hésite pas à mettre ta gemme. C'est fait déjà. Et un bocle. Oh putain. Oh, il est mignon. Et ça, c'est le mien. Non, mais le tien n'est pas beau. Le mien, il décolle pas, le mien il bouffe le tien, hein, mon gars. Bah t'es fou, okay, le mien est trop chouette. Et bienvenue dans les mines, mon gars. Puis puis-je pouvoir tester mon DPS, s'il te plaît, juste pour voir. J'ai fait quelques changements. Je suis passé, les amis. Je suis passé de 630 en DPS en mono. Donc j'ai mis les sœurs multiples projectiles, ce qui fait que ça divise les dégâts par 3, c'est ça, non? Regardez, il te gueule, il est trop mignon. Oh, lui, il vient de lui mettre un high kick dans la gueule. Oh! Oh, il déconne pas le golem! Mais non. Comment ça? Le problème, c'est que ça me bouffe de la mana, un truc de malade. Mais je joue avec 2 Heralds en même temps, donc. Je vais retirer l'Herald of Ash, je pense, non? Plutôt celui of Ice. J'ai Atred. Ah, t'as Atred et Herald of Ash? Herald of Ash. J'ai plus trop de mana. Hein. Retire Herald of Ash en effet. Ouais. Si t'as vraiment des soucis de mana. Ouais, j'utilise tout le temps mes potions, quoi. Ouais, c'est ce qu'il faut. Non, mais je veux dire. Avec les potions, ça aide, tout ça. Tout le temps, mes potions. Tout le temps. Bah, moi aussi, je t'avouerai. Et là, il y a du peuple, sa maman. Ouais, je pense qu'il y avait un mec. Il y a un mec orange dedans, là. Ah non, mais c'est des. J'ai la quête. Attends, je vais lui rapporter. Ouais, je vais prendre les autres. En fait, on a tout eu en même temps, donc on a eu double truc. Attends, ça fait hyper mal, mon gars. Voilà, si tu veux, tu peux venir reprendre la récompense. Enfin, la récompense. Les points d'XP chez Katarina. Rien à voir, mais il est trop mignon. Tu regardes Dragon Ball Super? Non. Non? T'es dessus là. Ouais, carrément, putain. Je me dis hop, on engage, on change, on sent ça. Tu regardes pas du tout? Non, bah ouais. J'ai jamais été un grand fan de Dragon Ball. Pour moi, c'est le gros problème du truc. J'adorais. Mais putain, mais qu'est-ce que ça prend du temps à progresser? Mais si tu veux, d'ailleurs, ils ont fait DBZ Kai. Ils ont coupé toutes les scènes inutiles de DBZ. Oh, et c'est vachement stylé, j'ai rematé ça il y a pas longtemps. Genre le combat contre Freezer, il dure moins que 43 épisodes? Non, il dure sur à peu près pareil, mais il se transforme plus vite, quoi. Ah, c'est déjà ça. Dans 3 minutes, ta planète va... Non, mais ça a pas changé, ça. Ah, petit boss ici, donc reste pas dans les zones de feu, voilà. Ouais, t'inquiète, j'ai des potions de vie, quoi. J'ai des potions de vie, t'inquiète pas. On est en mode normal, hein, donc voilà. Ouais, il a des petites zones de feu ici au sol, c'est un mini-boss. Il fait des AOS, Ouais, et il a un petit Grand Slam aussi, comme toi. Ouais, un petit Grand Slam, ouais, c'est ça. Voilà, donc lui, c'est un petit boss tranquillou, pépérou. Sympathique. C'est quoi ça? Oh, tiens. Je veux. Du coup, t'as joué pas mal avec ton gros tankouné, là. T'en es où? Là, je suis à l'acte 4. Mais en cruel, c'est ça? En cruel, ouais. Et il faut dire aussi que le jeu est devenu bien plus compliqué maintenant.
niveau niveau difficulté au fait, enfin niveau dégâts des monstres surtout. Les mobs, je sais pas, ils les ont buff assez violemment. Maintenant, tu prends des vraies grosses tartes si tu prends pas de la défense quelque part. Et tu peux plus faire comme avant, faire un personnage full esquive et jamais te faire toucher, etc. Un peu comme d'ailleurs, faudrait que je reteste hein, ma flemme, ma machin là. Incinérate, ouais. Ouais, Incinérate, c'est pour voir si c'est encore faisable ou pas, ou alors en négociant le truc, tu vois. Mais en fait, maintenant, le truc, c'est qu'Incinérate a été changé. En fait, en gros, ils ont retiré la mécanique de shotgun. Donc, tu sais, quand je t'expliquais avant, tu pouvais lancer 5 spells en même temps et les 5 toucher. Ouais, c'est ça. Maintenant, ouais. C'est fini. Ça fonctionne plus. Ah, en gros, tu peux plus te mettre au cac et. Oui, voilà, tu peux plus faire fondre les boss comme si c'était de la merde. Ah putain, c'est décevant. Ah, c'est décevant, mais bon, ils trouvaient ça trop fort. C'est hyper décevant. Et ils ont aussi méchamment nerf, tu sais, tout le système avec Eldritch Battery, Arctic Armor, ouais, oui, qui rendait des mages super tanky. Maintenant, gros, ça pouvait faire quoi ça pour nos amis viewers Eldritch Battery, je sais plus de ce que tu m'as dit. Eldritch Battery, ça transforme tout ton énergie shield en mana. Donc et ça faisait qu'on avait des mana pool infinis et des mana cool. Arctic Armor, ça réduit les dégâts bruts que tu subisses, par un truc comme ça, non? Ouais, voilà. Mais et maintenant, en fait, c'est différent. En fait, donc avant, Arctic Armor retirait genre 25 dégâts subis de physique, de fire, etc. Maintenant, ça retire genre 5%, 6%. Enfin, je l'ai sur moi et à mon niveau, ça retire 10% de physical damage. D'accord. Donc c'est comme 10% d'armure. C'est. Ah, encore un petit boss ici, ouais, comme tu vois. Lui lance des marteaux. Voilà. Donc si là je tape triple flèche, il est pas touché avec les 3 tics des flèches. Exactement. Ah putain, mais c'est putain. Et c'est aussi pour ça que Firestorm est devenu si fort dans un certain sens. Bah parce qu'en fait, vu que toutes les boules de feu tombent chacune à un délai différent, toutes les boules de feu touchent quand même les ennemis. Mais voilà. Ah oui, donc ça c'est une petite quête aussi. Cliquons dessus. Oui, tranquille. On a libéré un esprit qui était emprisonné dans une main d'esprit. C'est plutôt bizarre. Oh, Fagan! C'est lui qui. Encore? Putain, mais je l'emmerde ce mec. Pardon. Allez, on va le faire. Oui, il en a deux, donc tu vas le faire. Tu vas le faire! Libérer la femme qu'on a vue là, prise dans une main bizarre, entaillesque, ça va te donner un skill point en ville. Ah, parfait. Oh, ça va, c'est la quête avec les demi's, tu sais, avec les trucs. Avec les demi's. Avec les cobbles. Je pense pas qu'il va en toucher une seule. Avec les crétins. Moi je sais pas où je tire. Allez, mais... Fagan, plus vite Fagan. Oh putain, il en a une. T'es vraiment nul. Mais... Je t'assure, hein, j'ai clic droit enfoncé. Je vais jouer avec mes flèches qui tombent du ciel là. Et voilà ce 21. Attends, on lui a mis la bite quoi. Moi je trouve que ce 1 c'est une petite défaite quand même. Ouais, quand même. Une petite défaite. Franchement, je suis déçu. Ouais, moi aussi. De toi surtout. je te croyais plus fort que ça. Exactement. Et comme tu peux voir, par exemple, regarde ce mob. Attends, arrête de l'attaquer, regarde-le, il est un peu dégueulasse. Ouais, j'ai vu un peu, ouais, il est. On dirait presque Human Centipede. Pour ceux qui connaissent la référence, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, n'allez pas voir. Ça me fait penser à un. Attends, ça me fait penser à un manga. Ah, tu regardes des mangas bizarres. Non. Je te le dis. Mais non, c'est pas dans FMA. Mais si. Je suis sûr que c'est dans FMA qu'il y a des mecs bizarres. Avec plein de bras, tout ça. C'est possible. Putain, tu l'as vu 50 fois en plus ça mon gars, t'as pas le droit de me dire c'est possible comme ça. Je savais pas. Putain mais il est gros. What the fuck, mais il est gros. Ah, tiens. Nico, viens voir. J'arrive gros. Regarde, t'as vu ce truc. Oh putain. Il est gros mais c'est pas la taille qui compte. C'est la façon dont on s'en sert. Exactement. Les rabasse. Mais franchement, je m'arrête pas trop sur le décor, mais je devrais. Enfin, c'est juste une mine, vous allez me dire, mais je la trouve vache. Enfin, hyper bien retranscrite, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est pas. Enfin, après une mine, c'est une mine. Enfin, hyper bien retranscrite. Oui, j'ai un peu le son du jeu, ouais. Ouais, n'hésite pas à l'augmenter un peu parce que les bruits, etc., sont assez bien foutus. Bah, ici, tu vas voir, on va arriver dans Crystal Veins. Et les sons sont. Bien. On va augmenter un peu le son là. Option, augmente un peu le son, la musique volume. Juste la musique, hein. Ou le. On est dans musique d'ambiance. Tu sais, vu qu'on est underground et que tout est en train de se péter la gueule, bah tout se pète la gueule au fait. Taisons-nous. Après le chargement. Un crampon de billard, c'est bon, je suis là. Chut. Ça fait froid dans le dos. C'est pas pour l'instant. Bon, les gars, c'est bien là qu'ils sont claustrophobes.
Bah écoute, franchement, j'ai joué avec ma copine tout à l'heure et elle disait justement les mines ça va parce que c'est ça c'est grand les couloirs entre oui, guillemets, ça, c'est large, ouais. Cavernes dans l'acte 1, tu vois. Et elle, elle est claustro de base, elle aime pas les cavernes. Donc bon, voilà. Mais les cavernes dans l'acte 1, je comprends, enfin, c'est pas. Moi non plus, je me sens pas les. Genre vraiment, tu vois. Je suis pas claustro, mais. Ah, et ici par exemple, tu vois ça, ici quoi. Dans le mur là, tu vois les cristaux qui sortent. Ça, en fait, petite stratégie, si vous voyez des mobs quand vous êtes en train de combattre dans cette zone et qu'il y a des mobs qui soudainement avec leur marteau ou leur pioche vont taper dans ce mur, tuez-les en premier. Moi, je vois surtout des cadavres oui, dans les murs. C'est... Oui, oui, c'est pas mal foutu. Hein. Et encore, ici, cette zone, elle est soft par rapport à certaines de l'acte 4. Oui, non, mais là, j'imagine. Attends, je vais essayer. Franchement, je te le dirai si j'en vois, je te dirai d'arrêter le DPS, des mobs qui vont essayer d'exploser les murs. Je le dirai si je vois. Non mais je tente toujours de chercher dans FMA, c'est à quel moment qu'il y a un mec avec plein de bras qui arrive. Hein. Faut me dire que je me bloque dessus. Non, toujours pas. Ah peut-être vous. Non, vous voulez pas. Ah peut-être qu'ils le font pas en difficulté normale. En fait en gros il y a certains mineurs qui vont aller détruire les murs pour faire sortir des golems hors des murs. Et en ouais. Général vous tuez les mineurs parce que le golem après vous allez mettre trop longtemps à le tuer. C'est genre un chaos golem comme le mien et c'est la mort. Oh tiens, il y a un truc qui lance des cadavres. Oui aussi. Et moi j'en prends taper sur l'autre quoi. Le mec te lance un cadavre, tu sais, si tu veux. Ah, ici encore un mini boss. Ouais, un mini boss. Vas-y, je te laisse faire. Ouais, et je te laisse faire. Ah, vas-y, vas-y. Il est où? Coucou. Ah, il est joli lui. Hein. Alors je te laisse comprendre que son aura jaune là, il vaut mieux pas aller au cac. Ouais, non, mais j'imagine. Par contre, quand il meurt, va directement sur le qu'est-ce cadavre. Qu'est-ce que t'as pu? Pardon. Pour prendre. Je me fais ouais si tu rigoles. Exactement. Regarde, il est mort. Boum. Ah d'accord, en fait faut vraiment aller sur le cadavre. Regarde, tu vas mourir si tu prends pas de potion. Parce qu'en plus c'est le truc qui t'ignite pendant 3 ans. Je sais pas si tu vois. J'ai pris une potion. Ok, donc ça c'est juste un mini boss. Soit on va très mais loin. Il a tué mon golem. Il a tué mon golem. Ah, il a 3500 PV. Moi il a. Je sais rien, je vois pas où tu vas. tu mets ta souris sur le spell. Ah non. Ah oui non là. Quel con putain. 1600 PV. Donc au final il vaut mieux pas rester au cac parce que tu vois ça fait mal. Il faut... En vrai quand il meurt il faut aller très loin. De quoi? Je suis déçu, mais il y avait un mineur qui était en train de. Ouais de... moi je l'arrache sa tronche. J'étais là. Bah écoute, dans le doute tu tapes hein. Exactement. Ah, Jean-Roger. Endurance charge on melee stun. Ça t'intéresse ça? Ah, il a libéré un golem mine de rien. Ça t'intéresse endurance charge on melee stun? Ça va quoi? Ça va être vendu? Oui, exactement. Oui, et aussi un grand changement, chers amis, si vous n'avez toujours pas démarré l'acte 4, c'est qu'en fait maintenant les gemmes, ils ont fait un truc qui est génial, ils se vendent aux putains de vendeurs maintenant les gemmes. Plus besoin d'aller sur des sites, etc. ou chercher des mecs qui vendent des gemmes genre Multi Strike 17 KO. Ouais, parce que fuck it! Non, maintenant vous voulez vous acheter un vendeur pour un alchimie et vous êtes là. Oh, c'est très bien, ouais. Et ça permet aussi de pouvoir tester tous les spells que vous voulez, quoi. Vous êtes plus limité à. Ah, je vais prendre ce spell là parce qu'il a l'air. Mais j'ai une question vis-à-vis de ça. Est-ce que tous les spells du jeu sont dispo? En vente? Genre tous les spells? Oui, mais selon les classes. En fait, par exemple, moi qui joue une witch, j'aurais accès qu'à des spells de mage ou un peu hybride. J'aurais pas accès aux spells de war, en toute logique. Ah, on y est. Donc là, on va prendre le waypoint. Le waypoint, mon cher ami, le waypoint. Nous arrivons sur le boss, I suppose. Ah, nous avons un petit. Enfin, sur les boss, pour le coup. Et ici, nous avons Lady Diala. Toujours là, toujours présent. Et ça, tu vois, c'est la Rupture Device. You know the thing, Jon Snow. D'ailleurs. Moi, je propose ici, c'est de couper la vidéo ici, parce que maintenant, tu vois, nous avons soit à gauche, soit à droite, deux portails différents qui vont nous emmener à des boss chacun. Donc comme ça, on va pouvoir record chaque boss tranquillement en vidéo séparée. Qu'est-ce que t'en dis? Mais combien de temps ça nous prendra à tuer un boss à peu près? Ça dépend. Vite fait quoi, on les tue en. Je peux pas te le dire comme ça! 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Je te dirai, allez, 15 minutes. Allez, c'est bon alors. Ouais. Les amis, du coup, on vous dit à très bientôt, à la prochaine, on vous fait les bisous. Et ciao! Ciao!